Salut, moi c'est Manon, la fondatrice de l'école de français en ligne Olala French Course. Aujourd'hui, on pratique le français ensemble. Je vais t'aider à améliorer ta prononciation et ta fluidité en français grâce à cet exercice de production orale. Tu vas pratiquer ton français avec moi maintenant. On va parler des choses qu'on aime et celles qu'on déteste. On va s'aider d'un dialogue que j'ai créé et tu vas le pratiquer avec moi. Je vais commencer par te présenter le dialogue en premier. Observe bien le vocabulaire et la prononciation pour quand ça sera ton tour. Ensuite, tu vas pratiquer avec moi. Tu feras l'un des dialogues, puis après, on échangera les dialogues pour que tu pratiques les deux parties. Ton texte apparaîtra sur l'écran et tu auras à le lire à voix haute. Mets-toi dans un endroit calme pour pratiquer sans distraction. J'ai super hâte de pratiquer avec toi, même si c'est virtuellement. Et si tu veux pratiquer avec moi en vrai et avec plein d'autres super profs et d'autres super étudiants, je t'invite à rejoindre mon groupe de conversation en français. Olala French Coffee, c'est une super communauté pour pratiquer son français et enfin s'exprimer naturellement dans cette langue. Le lien est en description si tu veux en savoir plus. Ok, t'es prêt? C'est parti! Tu vas commencer par découvrir le dialogue, ça te permet de voir le vocabulaire utilisé et d'avoir un premier aperçu de la prononciation. On y va. Ça va? Tu fais une tête bizarre? Oh, ouais, c'est juste mon fournisseur d'électricité, ça fait des mois que je les appelle. Ils ont fait une erreur dans mon dossier et je m'en sors pas avec eux. Oh, les problèmes administratifs, ça me fait aussi péter un câble. C'est le genre de truc qui te gâche ta journée, quoi. Il me vénère. Mais non, ça va aller. Regarde, il fait beau. C'est agréable. Oui, c'est vrai que ça fait du bien. En plus, c'est bientôt l'été. J'adore cette période de l'année. C'est clair. Et ton chat, ça va? Oui, ça va. C'est vrai que de penser à mon chat, ça me remonte le moral. C'est vraiment mon rayon de soleil. C'est trop chou. J'aime aussi passer du temps avec mes animaux. Ça me fait du bien. Et après une dure journée de travail, de démarches administratives qui te cassent la tête, nos boules de poils nous réconfortent. Tu m'étonnes. J'aime bien aussi aller me baigner. Être dans l'eau, c'est vraiment mon kiff. Ah non, pas moi, j'aime pas trop ça, l'eau. Je préfère faire du sport à fond, défouler un bon coup. Je me sens tellement bien après. C'est vrai que ça fait du bien, ça aussi. J'avoue que parfois, j'ai pas la motive de faire du sport, mais après, tu te sens tellement bien, je kiffe cette sensation. Carrément. Ça te fait oublier les petites choses chiantes de la vie. Maintenant, ça va être à toi. Tu vas dialoguer avec moi et ton texte est en rouge. T'es prêt? C'est parti. Ça va? Tu fais une tête bizarre? Oh, les problèmes administratifs, ça me fait aussi péter un câble. Mais non, ça va aller. Regarde, il fait beau, c'est agréable. C'est clair. Et ton chat, ça va? C'est trop chou. J'aime aussi passer du temps avec mes animaux. Ça me fait du bien. Et après une dure journée de travail, de démarches administratives qui te cassent la tête, nos boules de poils nous réconfortent. Ah non, pas moi, j'aime pas trop ça, l'eau.
Je préfère faire du sport à fond, défouler un bon coup. Je me sens tellement bien après. Carrément, ça te fait oublier les petites choses chiantes de la vie. Ok, super. Maintenant, on échange. Ton texte est en bleu. Oh, ouais, c'est juste mon fournisseur d'électricité. Ça fait des mois que je les appelle. Ils ont fait une erreur dans mon dossier et je m'en sors pas avec eux. C'est le genre de truc qui te gâche ta journée, quoi. Il me vénère. Oui, c'est vrai que ça fait du bien. En plus, c'est bientôt l'été. J'adore cette période de l'année. Oui, ça va. C'est vrai que de penser à mon chat, ça me remonte le moral. C'est vraiment mon rayon de soleil. Tu m'étonnes. J'aime bien aussi aller me baigner. Être dans l'eau, c'est vraiment mon kiff. C'est vrai que ça fait du bien, ça aussi. J'avoue que parfois, j'ai pas la motive de faire du sport, mais après, tu te sens tellement bien, je kiffe cette sensation. Voilà, cet exercice de pratique est terminé. Ça m'a fait très plaisir de pratiquer avec toi. Et je serai ravie de te voir dans mon groupe de conversation en français si tu veux qu'on pratique en vrai. Si tu veux nous rejoindre, le lien est en description. N'oublie pas avant de partir de t'abonner et d'aimer cette leçon. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en français bien sûr.